Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Il est 8h et nous serons ensemble jusqu'à 9h30. Ce matin, Yazid Etmeheddine, dans sa rubrique So, rendra hommage à deux grands hommes de théâtre, de cinéma qui nous ont quittés. Il s'agit de Mustapha Preur et aussi Jamel Ben Sabr. Et aussi, à l'instar de tous les pays du monde, l'Algérie, justement, au gré des mutations géostratégiques et environnementaux, a initié une démarche de transition énergétique depuis quelques années pour l'amélioration justement de la vie du citoyen ou du quotidien du citoyen algérien, mais aussi pour se dépasser aussi des énergies fossiles. Donc, quelle mutation énergétique pour l'Algérie? Nous en parlons ce matin. Nabila Abada, pour sa part, dans sa rubrique Tourisme, nous emmènera au sud d'est du pays pour nous faire découvrir ou redécouvrir la capitale, la reine des Ibans, à savoir la wilaya ou la ville de Biskra. Nous aurons à découvrir aussi un nouveau concept d'un café, un café plutôt moderne. Donc, nous aurons à découvrir ce matin en compagnie de l'initiatrice ou la gérante donc de ce café. Voilà un peu pour le menu de cette matinée, mais avant de commencer, ce sera les nouvelles du ciel et c'est en compagnie de Feriel Cher. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معًا نصنع المستقبل. Et Friel Cheikh est parmi nous ce matin. Friel, bonjour. Bonjour à vous, Nour. Comment ça va? Ça va très bien. Alhamdulillah. Alors, des éclaircies pour aujourd'hui ou... Bon, ça va être. Voilà. Non, ça va être partagé. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, ça va être partagé. Mais sinon, c'était plutôt humide ce matin, exactement, un petit peu brumeux. Voilà. C'est vrai que ces derniers jours, on se réveille sous un temps généralement humide, brumeux aussi, et beaucoup de nuages, beaucoup d'humidité. Voilà. Voilà, la pluie qui tape à nos portes un petit pas, probablement. Inch'Allah. Inch'Allah. Plus de détails, Friel. Allons-y, Nour. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Ravi de vous retrouver. Excellent réveil à vous tous. En effet, aujourd'hui, le ciel sera partagé en deux. Il y aura des passages nuageux, mais aussi des éclaircies. Ils seront plus nombreux vers le centre. Le ciel sera souvent nuageux avec beaucoup de brouillard, beaucoup de nuages bas vers l'ouest et l'est. Sur la partie sud, on notera aussi un ciel souvent voilé au nord Sahara, au sud des Oasis. À noter aussi des soulèvements de sable vers l'extrême sud, le Hoggar, le Tassi, le Sahara oriental, remontant parfois jusqu'au sud des oasis. Voici à présent les températures. En baisse les maximales, surtout vers les hauteurs. En effet, il fera 11 degrés à Al-Bayad, 12 à Djulfa, 14 Betna Guelma, 16 degrés pour Sétif, 18 cet après-midi à Tizi Ouzou, Alger, 16 à Annaba Kikda, 18 aussi le maximum pour Tlemcen. Donc, et puis sur la partie sud, on relèvera cet après-midi 17 à Hassin Saoud, à Ouled Djellal, à Rardaya, 16 à Béchar, 23 à Tindouf, entre 23 et 24 au Sahara central, 22 à Djanet et enfin un maximum de 31 degrés pour l'extrême sud. Place à présent à l'état de la mer. Donc pour cet après-midi, la mer sera peu agitée, belle, calme vers l'ouest avec des vents généralement faibles qui varient entre 10 et 20 km/h sur l'ensemble des côtes algériennes. Avant de nous quitter, place ce matin au continent européen. Aujourd'hui en Europe, le temps sera dégagé à Paris, le soleil prendra beaucoup de place aussi à Rome, à Vienne, à Berlin. Un temps souvent nuageux à Istanbul. Couvert et pluvieux à Londres, à Madrid, à Lisbonne. Côté température, 14 degrés à Madrid, ainsi qu'à Lisbonne, Paris, 11 degrés à Londres, 8 à Berlin, 9 Vienne, 0 c'est le minimum aujourd'hui à Moscou, 9 à Istanbul et enfin 16 à Rome. Le soleil se couchera à 18h, à 18h26. Vous avez toujours le site de Météo Algérie qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée. À tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معًا نصنع المستقبل. Voilà, mais sinon, les températures restent toujours aussi agréables. Voilà, toujours saisonnières, toujours de saison, toujours aussi agréables. En voilà. attendant,
Le retour des pluies. Inch'Allah. Inch'Allah. Si Dieu le veut, bien sûr. Inch'Allah. Merci beaucoup, Friel. Je vous en prie. Friel, on se retrouve tout à l'heure après journée activisée du midi, après celui de 19h, demain, à partir avec de 8h. Avec un grand plaisir. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, Friel. Bonne journée à vous. Et on continue, pause musicale, comme chaque matin, cette fois-ci. Ce sera en compagnie du groupe Tumawi Africa qui nous interprète son dernier album, sa dernière chanson, à savoir... Voilà, c'était donc le groupe du Maui Africa, une très très belle interprétation du terroir musical algérien Mchi Ya Rasoul. À présent, nous allons parler donc d'énergie renouvelable, de la transition donc énergétique en Algérie. Quelle
transition pour l'Algérie, une problématique à laquelle nous allons répondre en compagnie de notre invité, M. Smaïl Mogari. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour madame, merci. Alors M. Mogari, vous êtes le directeur général de la société Chems, Société Algérienne des Énergies Renouvelables. Voilà, alors M. Mogari, il faut dire quand même que l'initiative donc, de cette transition énergétique aujourd'hui est une priorité gouvernementale. Il faut dire que l'Algérie a quand même un passif depuis quelques années, 2011 particulièrement, il y a eu quand même les premières initiatives pour une transition énergétique, n'est-ce pas? Merci madame, bonjour, merci pour l'invitation. C'est l'occasion de parler du programme national des énergies renouvelables. Et surtout de l'engagement de l'Algérie de se lancer dans ce développement des énergies renouvelables. Comme vous savez, le programme national des énergies renouvelables a été, si vous voulez, adopté pour la première fois en 2011 avec un programme qui cible 22 gigawatts à réaliser d'ici 2035 jusqu'à 2035. Ce programme a été revu et amendé en 2015 et puis finalement en 2021, le gouvernement a adopté le programme de 15 000 MW à réaliser jusqu'à 2035. Comme vous avez constaté, le mois de décembre dernier, nous avons lancé la première phase de 1 000 MW qui consiste en la réalisation de plusieurs centrales qui totalisent une puissance de 1 000 MW. L'appel d'offres est sorti et nous attendons bien sûr le lancement du processus et le lancement de ce projet à réaliser le plus rapidement possible. Voilà, donc ça c'est pour le projet 1000 MW, nous allons en parler dans un petit moment, mais il faut dire aujourd'hui que l'Algérie compte sur un peu plus, on va dire, de 95% des énergies fossiles, et la transition aujourd'hui est plus qu'urgente, on va dire. Effectivement, bien sûr, comme vous le savez, c'est un engagement du gouvernement, c'est un engagement également de M. le Président de la République, parmi les 54 engagements. Et la transition énergétique, elle est très importante, c'est comme la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique également est très importante. L'Algérie, c'est un pays, comme vous savez, qui compte sur 95% de fossiles. Et nous avons décidé maintenant de faire cette transition énergétique et la réussir. Voilà. L'objectif est de faire le maximum des économies de gaz, épargner ce gaz pour les générations futures, également s'inscrire dans une vision, si vous voulez, internationale et mondiale vers la décarbonisation de l'énergie. Alors, donc on comprend que l'enjeu est non seulement géostratégique, mais aussi environnemental. Effectivement, environnemental et également économique. Vous savez que les économies de gaz que nous pouvons réaliser grâce à ce programme des énergies renouvelables est très importante. Ça pourrait quand même financer le programme et également financer tout le programme économique de l'Algérie. Voilà. Alors, donc, nous avons parlé un petit peu de l'enjeu environnemental, de l'enjeu économique. Donc, alors, les retombées ne pourront être que importantes, notamment dans l'amélioration du quotidien du citoyen algérien, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous savez que nous avons un double enjeu. C'est le développement des énergies renouvelables et également l'efficacité énergétique. D'ailleurs, le ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables a été créé pour ça et nous avons quand même deux fronts, si vous voulez, de bataille. Nous avons cette efficacité énergétique à réaliser et nous avons ce développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, la consommation de l'Algérien est surtout dans le résidentiel et le tertiaire. Donc, nous n'avons pas cette création de richesse, donc nous sommes appelés à revoir notre mode de consommation de l'énergie. Voilà. Alors justement, revoir notre mode de consommation de l'énergie, d'autant plus que les derniers rapports nous informent aussi que les besoins ont augmenté de 7%. Justement, la consommation de l'Algérie a augmenté de 7% en termes d'électricité, en termes d'énergie. Alors justement, dans ce sens, nous savons très bien que nous sommes un pays très gâté par le soleil, n'est-ce pas? Donc comment, quelles seraient, on va dire, les meilleures démarches pour qu'on puisse profiter un petit peu de toutes ces énergies et surtout assurer une mutation énergétique quand même assez réussie? Bien sûr, qu'il faudra profiter de notre potentiel quand même naturel, notre potentiel solaire. Vous savez, c'est tout cet engouement, cet intérêt des pays étrangers pour l'Algérie, pour réaliser des projets de renouvelables. Il y a quand même des études derrière. Nous avons beaucoup d'ensoleillement. Nous avons, tous les éléments propices qui permettent de réussir le développement des énergies renouvelables. Voilà, nous avons beaucoup d'espace, un pays très ensoleillé,
Et nous pouvons maintenant, avec, si vous voulez, la baisse du coût de kilowattheure renouvelable, donc nous avons atteint quand même la parité entre le kilowattheure, si vous voulez, thermique fossile et le kilowattheure renouvelable. Donc c'est le moment jamais pour aller rapidement vers cette transition énergétique, réaliser rapidement ces projets des énergies renouvelables et assurer cette transition énergétique. Bien sûr, je rappelle toujours, faire des économies de gaz et concrétiser cette transition énergétique et s'inscrire bien sûr dans cette vision internationale de décarbonisation. Et voilà. Voilà, alors justement, il faut dire que c'est un projet, on va dire, plus qu'ambitieux. Ce sont comme on l'a dit, des priorités quand même gouvernementales. Donc, non seulement ça a cet enjeu environnemental, ça a cet enjeu économique, donc améliorer un petit peu le quotidien du citoyen, mais aussi, comme on l'a dit, c'est un projet ambitieux parce qu'on pense ou on compte ou on voudrait passer après à l'exportation carrément. Effectivement, bien sûr, quand nous parlons de la transition énergétique, pas au détriment, je dirais, du confort de citoyens algériens. Non, nous continuons à assurer quand même cette offre énergétique. Bon, ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est de revoir le mix énergétique, c'est d'intégrer quand même la production des énergies renouvelables dans ce mix énergétique constitué maintenant à 100% des énergies fossiles. Bon, je dirais pas 100%, nous avons quand même quelques projets réalisés depuis 2011. Nous avons le programme de 343 mégas de Sonalgaz. Nous avons quelques petites centrales réalisées, bon, à l'issue de. Enfin, quelques petites centrales à Ardaya, nous avons la centrale de Hassarmel, la centrale hybride. Et cette fois-ci, je dirais que c'est le vrai démarrage dans le programme des énergies renouvelables. C'est là, avec ce programme de 1000 MW, qui va marquer le démarrage. Ça, je dirais, c'est la première pierre dans ce programme, si vous voulez, De massif. transition. Et ce n'est pas uniquement, je dirais, que l'objectif devra être de revoir à la hausse, pas uniquement 15 000 MW. 15 000 MW d'ici 2030. Je dirais que c'est vrai que nous avons démarré C'est en première prudemment, phase. mais on pourra revoir les choses. Aujourd'hui, avec l'engouement vers les énergies renouvelables, aujourd'hui nous avons maintenant même l'hydrogène vert et qui nécessite également des ressources en amont en énergie renouvelable. Donc, je pense qu'il faudra aller très vite et démarrer par ce premier projet et revoir nos objectifs et nos ambitions à la hausse. Alors, voilà. Alors c'est le projet, donc c'est le projet 1000 watts, n'est-ce pas? Donc l'appel d'offres, pardon, a été lancé avec beaucoup d'exigences. Effectivement, bon, c'est un programme de 1000 MW, voilà. C'est l'équivalent, si vous voulez, de 2 terawatt-heure, donc 2000 GWh. C'est comme tous les projets, je dirais, ça nécessitait quand même toute une préparation. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Le ministère de la Transition énergétique a été créé en 2020. Le programme a été approuvé le mois de mai 2021. Comme vous savez, la société Shems également a été créée en 2021. Enfin, a commencé quand même ses activités effectives en fin d'année 2021. Rapidement, nous avons lancé l'appel d'offres. Mais on devait quand même, il a fallu faire le nécessaire avec les moyens de bord. Voilà, c'est vrai que tel projet nécessitait beaucoup d'études de prévisibilité, des études de faisabilité, des études d'identification des sites propices pour la réalisation des centrales, des réservations des terrains. Mais on a une idée, nous avons quand même une idée de tout cela parce que l'Algérie quand même a un passif, elle a quand même une petite expérience avec les énergies renouvelables, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que nous avons quand même des idées uniquement Des pour ça, idées. mais c'est des projets, comme si vous voulez, économiques, commerciaux à réaliser, avec les nationaux ou bien avec les étrangers, qui impliqueront également des engagements sur plusieurs années, sur 25 ans pour ce projet, 25 ans, des contrats commerciaux de 25 ans. Donc, il faudra quand même faire très bien ces études de faisabilité, parce que c'est des projets qui dépendent des conditions météorologiques, c'est des projets qui nécessitent des assiettes de terrain très larges. Donc, c'est vrai que le ministère de la Transition énergétique, également avec le ministère des Énergies, ils ont mis les bouchées doubles pour si vous voulez, raccourcir toute cette étape préalable pour déjà désigner où s'installer les sites. Et préparer le dossier si vous voulez, le dossier contractuel de ce projet. Et enfin,
Nous avons commencé par le lancement de l'appel d'offres. J'espère qu'on aura quand même nos partenaires le plus rapidement possible. Inch'Allah. Alors justement, vous avez parlé d'assises de terrain donc énergétique afin de pouvoir concrétiser ce projet. Donc les wilayas où les terrains sont déjà identifiés aujourd'hui. Effectivement, oui, nous avons identifié plusieurs sites, plusieurs wilayas. Je dirais Très que a ensoleillé. priori très ensoleillé, bien sûr, très ensoleillé, mais nous avons pris en considération plusieurs critères de sorte à assurer, si vous voulez, une équité régionale. Donc nous avons bien sûr ciblé les régions du sud. Nous avons ciblé quand même les nouvelles wilayas créées récemment, telles que Mrayer, Tougourt et d'autres wilayas. Nous avons également pris en considération cet impact social et économique également. Voilà, c'est très important. Et bien sûr, toutes les démarches nécessaires réalisées avec le ministère de l'Intérieur, réalisées directement avec les Wallis. Je ne vous cache pas que monsieur le ministre de la Transition énergétique a pris en charge directement toutes ces démarches, le contact direct avec monsieur les Wallis pour concrétiser la réservation des terrains qui sont maintenant réservés. Et nous avons commencé avec 5 wilayas. Ce projet de 1000 MW va se réaliser sur cinq Et sites. lesquels? Nous avons, je donne uniquement quelques wilayas. À Mrayer, j'ai parlé de Mrayer, de Tougourt. Tougourt et de Béchar. Il y a d'autres wilayas également qui vont être de toute façon affichées sur le dossier de l'appel d'offres. Mais quand même, nous avons beaucoup de sites. Déjà, a priori, nous avons plus de 11 wilayas, 11 sites déjà identifiés. Et nous continuons à travailler pour l'identification des sites. Pour le futur projet, n'oubliez pas que rapidement, avec le lancement du processus de cette première phase, nous allons quand même se remettre au travail pour lancer la deuxième phase, qui éventuellement ne sera pas 1000 MW, peut-être plus. Je dirais pas pour rattraper le retard, mais non, pour aller vite, pour réaliser ce projet le plus rapidement possible. Aujourd'hui, nous avons quand même les mécanismes de financement. Le choix technologique, tout est identifié. Donc, nous n'avons pas d'excuses pour retarder la réalisation de ce programme. Non. Aujourd'hui, quand vous voyez des pays européens comme l'Espagne qui réalisent chaque année 3 gigawatts de puissance, donc, je dirais que pourra le faire également en Algérie. Nous avons moins de contraintes par rapport au terrain. Nous avons beaucoup d'ensoleillement et nous avons quand même les schémas de financement et tous ces mécanismes. Si vous voulez, de compensation. Voilà, donc finalement, tous les facteurs sont réunis pour pouvoir réussir un petit peu cette transition. Mais sinon, Effectivement. donc c'est un projet qui est bien entendu ouvert aux partenaires nationaux, mais qu'en est-il de la diaspora? Qu'en est-il justement des compétences de la diaspora algérienne à l'étranger? Bien sûr, nous comptons beaucoup sur la diaspora algérienne à l'étranger. Vous savez que pour ces projets, nous avons beaucoup d'études et beaucoup d'expertises à réaliser. Nous avons déjà rencontré beaucoup d'experts algériens qui travaillent pour le compte, et tout ce que ce soit des cabinets algériens, même pour des cabinets étrangers. Et n'oubliez pas également que nous avons beaucoup d'expertise en Algérie. L'Algérie a l'habitude de réaliser tel projet d'envergure au niveau de son Sonatrach et même au niveau de son Sonalgaz, même dans d'autres secteurs. Donc je dirais que c'est une technologie très mature. Le solaire photovoltaïque, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'Algérie a réalisé des projets beaucoup plus complexes que ça. Même dans les énergies renouvelables, la centrale de Hassermel, qui est une centrale de concentration solaire, c'est une technologie thermique, dont la technologie est beaucoup plus complexe que le photovoltaïque. Donc, en réalité, c'est le challenge aujourd'hui, c'est un challenge de temps pour réaliser ce projet le plus rapidement possible. Et également, deuxième challenge, c'est assurer au maximum le contenu local et par la suite l'intégration nationale. Et aujourd'hui, nous sommes contraints d'importer pas mal de choses de l'étranger. Mais le challenge qu'il faudra reprendre rapidement, c'est d'assurer au maximum l'intégration nationale. L'ennemi aujourd'hui de nos projets, c'est, si vous voulez, c'est d'importer ces équipements et les payer en devise. Non. Aujourd'hui, il faudra bien réfléchir, réunir tous les efforts entre les différents départements ministériels pour assurer ces projets, je dirais, 100% national. Nous avons quand même pas beaucoup de composantes qu'on va acheter localement, mais il reste quand même des équipements principaux qu'on sera obligé de les importer. Pourquoi? Pour ne pas quand même rater cet objectif d'avoir le kilowattheure le moins cher possible. L'objectif ultime aujourd'hui, c'est d'assurer un kilowattheure d'électricité le moins cher possible, pourquoi pas moins cher
le kilowattheure thermique. Voilà. Voilà, alors, donc tout ça, c'est pour un objectif bien précis. Donc, c'est assurer un petit peu, donc encore une fois, une qualité de vie au quotidien et surtout, donc, dépasser un petit peu les énergies fossiles. Aujourd'hui, comme on a dit, on compte sur 95% des énergies fossiles. Mais sinon, à l'horizon 2035, donc, automatiquement, il y aura une réduction on va dire, d'utilisation d'énergies fossiles. Donc, est-ce qu'on a une idée, un chiffre auquel qu'on voudrait atteindre par rapport à la réduction Oui, donc effectivement. des énergies fossiles, de l'utilisation des énergies fossiles? C'est vrai qu'aujourd'hui, l'objectif fixé aujourd'hui est 15 000 mégawatts. Bon, c'est un objectif fixé et retenu. Donc, nous sommes focalisés sur ça. Moi, je vous ai dit que cet objectif devra être revu à la hausse parce que nous avons quand même beaucoup, si vous voulez, de demandes, que ce soit de l'Algérie, même de l'étranger. Même cette histoire d'hydrogène vert nécessite quand même d'augmenter quand même ces ressources de production d'énergie verte. Donc, nous serons nous sommes impliqués et obligés à augmenter nos capacités de production d'électricité verte. Nous avons également un programme enfin, de secteur des hydrocarbures pour la solarisation, si vous voulez, de Sonatrach également, qui est un projet d'envergure également qui dépasse les 1000 mégawatts. Et nous avons aussi demandé des étrangers pour installer des projets en Algérie pour l'export d'électricité verte également. Donc, je dirais que pour ne pas disperser nos efforts, laissez-nous concentrer sur notre projet de 15 000 mégawatts. Nous avons fait le premier pas. Nous devons réaliser ce premier projet 1 000 mégawatts et les résultats de ce projet qui vont déterminer Les la prochains révision objectifs. ou non de ce programme national Voilà, des les 15 000 prochains mégawatts. objectifs. Exactement. Effectivement, donc quelles sont un petit peu vos attentes? Bien sûr. Nous sommes obligés, nous sommes convaincus et nous croyons beaucoup à ce projet et nous allons le réussir. Je pense Inch'Allah. qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies et nous avons un engouement, je dirais, très important par rapport à ce projet de 1 000 MW et nous avons quand même les clés de succès de ce projet. Ah ben, on vous Voilà. souhaite beaucoup de succès et Merci. beaucoup de réussite parce que de toute façon, les retombées, c'est sur le quotidien de nous tous, Sur n'est-ce pas? le quotidien de nous tous et surtout pour l'Algérie. Effectivement. Voilà. Voilà, merci beaucoup Merci, à vous madame. d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle Monsieur Smaïl Mougari, vous êtes le directeur général de la société CHEM, Société Algérienne des Énergies Renouvelables. Merci beaucoup Merci, madame. encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue et vous le savez, la situation sanitaire liée au Covid-19 est toujours d'actualité. Malheureusement, il faut continuer à faire attention et surtout à respecter les gestes barrières, se faire vacciner si on ne s'est pas encore fait vacciner. Et c'est un spot Covid qu'on vous propose en attendant de retrouver Yazid Etmahidi. Thank you.
Voilà, donc Yazid Ait Mahedine est parmi nous ce matin. Bonjour Yazid. Bonjour. Comment ça va? Ça va, et toi? Ça se passe ça bien? Ça va, très très bien, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tu n'as pas encore pris ton petit-déj apparemment? Non, j'ai pris mon petit-déj, mais je suis amateur de tisane depuis le... La Covid? Oui, depuis ce funeste Covid. Ouais. Donc là, je vous offre un petit... C'est une tisane assez spéciale. Oui. Donc on peut la trouver du côté de Temsguida en allant droit vers 200 mètres. D'accord. À gauche du ravin. Donc tu peux là-bas, il y a un petit truc et vous pouvez trouver un peu ces plantes qui sont en train de naître, notamment. Des plantes médicinales particulièrement? Oui, c'est des plantes médicinales. Je vais t'offrir un petit peu. Ah, bah, c'est gentil ça. Oui. C'est gentil. Je vais essayer de deviner un petit peu le goût. Pour savoir ce que c'est. Merci voilà. Beaucoup. Merci Yazid. Béni soit ta journée. Voilà. En plus, ton thermos garde bien la chaleur. Hein. Ah ouais. Alors. Ça sent zaatar. C'est ça. Donc, c'est ça. Voilà. Ah bah voilà. L'origan. L'origan, voilà. L'origan. Ça. En tout cas, elle est très bonne tisane. Merci beaucoup Yazid. Et aujourd'hui, on est des militants du mouvement écologiste vert. On est en vert. On est en vert, effectivement. Voilà, on est en vert. Et oui. Il y a le vert, dans le vert, il y a le... Il y a du vert, et juste avant, nous parlions justement des énergies renouvelables, n'est-ce pas? En hiver, donc, vive les verts aussi, hein? Oui, vive les verts aussi, voilà, une belle transition. En tout cas, merci beaucoup pour la tisane, Yazid. Tu vas garder ton masque? Voilà, je vais enlever le temps d'une chronique. Voilà, et le temps d'une chronique. Et à tout seigneur, tout honneur, on doit rendre hommage à deux grands noms, à des pionniers de la culture algérienne et du cinéma algérien, absolument, qui nous ont quittés cette semaine. La Hammam Saleh. Donc, on commence par Mostaganem. Ah, Mostaganem, d'accord, on va du côté de Mostaganem. Parmi ces grands noms de la culture algérienne, ceux qui sont nés dans le terreau Mostaganemois, à l'image du grand Abdelhamane Kaki, Djilali Ben Abdel Halim, Fethi Osman et bien évidemment Jamal Ben Sabr. Qui nous a quittés là, Et quand on dit Jamal Ben Sabr, on se remémore tous l'épopée de Sidi Al-Khadr Ben Khalouf. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour monter cette grande épopée, cette grande pièce de théâtre où la cavalerie était, où il a fait ils ont entraîné les chevaux dans un stade, ils ont tout fait pour mettre en scène ces scènes de cavalerie, cette grande bataille de Mazagran, chantée et narrée par Sidi Al-Khadr, le saint patron de Mostaganem, Sidi Al-Khadr Ben Khalouf. Et il faut dire qu'il est originaire donc de Mostaganem, sa tribu c'est la Swabriya, qui est une fraction de la grande tribu de l'émir Abdelkader el-Hachem. Et puis son père était paysan, et il a élevé dans un milieu, dans un foyer d'art et de culture, puisqu'il a commencé déjà le théâtre alors qu'il était encore enfant. Il a fait l'école à Mostaganem, donc l'école primaire, c'était l'école Jean-Marie, aujourd'hui Mehdi Ben Khadda. Il avait un grand ami qui l'a aussi marqué, c'était Bachali Alel, qui est de la famille d'Ahmed Bachali, et au lycée, il a fait le lycée René Basset. Mais par la suite, il a quitté le lycée, il a commencé le théâtre dans la troupe de Abdelrahman Kaki, et il quitte l'école en 59, il a fait plusieurs métiers, il a été un petit peu photographe, son frère lui a offert la Rolleiflex, l'appareil photo, puis il était apprenti électricien, il a intégré la troupe du théâtre El Falah, donc c'est l'une des troupes du théâtre, donc des scouts musulmans, donc pas loin de ce quartier mythique de Mostaganem, Souéka. Il était surtout marqué, impressionné par la personnalité de Fethi Osman. Fethi Osman, c'est pratiquement l'un des théoriciens du théâtre et l'un des
les pionniers du théâtre à travers la troupe El Mouja. La troupe El Mouja qui était bien installée à Salamandre. Et par la suite, bien sûr, il a intégré pratiquement toutes les troupes, puisqu'il était aussi dans celle de la troupe de Saïdia, qui était dans un mqam, Sidi Saïd. Donc, carrément, il était aussi parmi ses agitateurs et ses formateurs. Et il était habité par le théâtre, par le 4e art. Donc, et par la suite, il voulait s'installer à Alger pour rejoindre le TNA et être artiste et comédien au TNA. Mais sur conseil de Oul Abdelrahman Kaki, il lui a dit « ta place est à Mostaganem pour la formation ». Donc il a toujours travaillé dans la formation et il était donc dans la troupe de Oul Abdelrahman Kaki. Par la suite, il était aussi dans la troupe, il a fait un stage en France, il est devenu aussi formateur et assistant dans l'audiovisuel. Dans la grande école d'agronomie, l'ITA, l'Institut technologique d'agriculture, d'agronomie de Mostaganem. Donc en 1974, il a lancé la troupe de théâtre El Ishara avec Berkani, avec Mohamed Berkani, et puis par la suite, c'était la coopérative El Kenki, la lanterne. Et c'est là qu'il a éclairé beaucoup d'amateurs du théâtre à travers beaucoup de pièces de théâtre. D'ailleurs, il a travaillé, et puis après la création, le lancement du Festival national du théâtre amateur par Djilali Ben Abdelhalim, et lui, il est devenu donc directeur artistique à partir de 1998, et puis commissaire du Festival national du théâtre amateur. Et c'est avec ce festival qu'il a carrément lancé cette épopée de Sidi El Khadr Ben Khlouf. Elle a été jouée même dans Caroubier, dans le stade de Caroubier, dans l'hippodrome de Caroubier, puisque c'est une pièce de théâtre, c'est un grand spectacle où la cavalerie était, où il y avait ce travail cynique avec les chevauchés, avec les batailles, surtout la grande bataille de Mazgharan, immortalisé par l'un des chevaliers de cette grande bataille, Sidi El Khadr Ben Khlouf. D'ailleurs, il a été enterré dans ce cimetière de Sidi El Khadr Ben Khlouf. Donc, en 2009, il était aussi commissaire du Festival national du théâtre amateur, qui est devenu le Festival euro-méditerranéen du théâtre amateur. Donc, il a joué dans quelques films, dans quelques séries aussi. Mais en 2003, il a monté la pièce pour l'année de l'Algérie en France, El Gherab ou Salhin. Donc, en quelque sorte, voilà un petit peu le riche parcours de Jamel Ben Sabar. Et on l'a reçu plusieurs fois donc, dans l'émission Bonjour d'Algérie, dans l'émission Coup de cœur. Il était souvent venu pour annoncer le Festival national du théâtre amateur, notamment avec le regretté aussi un grand monsieur du théâtre, c'est Fethi Mbrahim, donc qui était souvent sur ce plateau. D'accord, effectivement. Et voilà, donc ce qui est important, c'est qu'il a été habité par le théâtre, il a été possédé par le théâtre, sa vie, elle était dédiée au théâtre. Comme, tout comme Oul Abdelrahman Kaki, Djilali Ben Abdelhalim, Fethi Osman. Donc voilà en quelque sorte le parcours de ce grand monsieur, Allah yirhamou, Jamal Ben Sabah. Il a même aussi Yazid, de par ses connaissances en tant que technicien, il a même participé à la réalisation avec ses connaissances de certains films, de certaines séries pour le NTV d'ailleurs, lorsque le NTV réalise quelques séries. Rahmou Saleh. Un autre homme de culture, un autre homme de cinéma, un autre homme de théâtre aussi nous a quitté cette semaine. Rahmou Saleh, Mustapha Preur. Oui, Mustapha Preur, c'était ce visage angélique,
ce visage de sagesse, ce visage de père de tendresse, ce personnage de père tendre, sage, qui essaye de régler, de réguler aussi les tensions au sein du cadre de la cellule familiale, comme le présente un peu, enfin les représentations un peu de ce personnage dans les séries télévisées. Il est né à la Casbah en 1935. Il a fait l'école Sorwi, actuellement les frères Bellili donc à Soustara. À 6 ans déjà, il a intégré la troupe El Qutb de la pêcherie. Donc il y a eu cette troupe qui s'appelle El Qutb. Et c'était une troupe, d'ailleurs c'était un ami à l'Hashmi Gelwabi, donc on le voit ici sur la photo. Donc la troupe El Qutb était coiffée par... des membres des scouts musulmans algériens donc et puis par la suite il a intégré la troupe El Manar El Jazairi de Manar El Jazairi je pense qu'il y a eu quand même une affiche où l'on voit dans cette affiche en noir et blanc Mohamed Zinat et son frère aussi. Donc voilà, donc on voit qu'il était, donc Mohamed Zinet, c'était là, c'était en France, donc il y a eu une tournée en France où ils ont joué la célèbre pièce Tibl Kachoutine, donc c'est une pièce de théâtre que Mohamed Zinet donc, a montée et qu'il voulait toujours même adapter au 7e art, donc il est parti sans que le manuscrit ne soit apporté. Au cinéma, je parle de Mohamed Zinet, il y a aussi son frère Saïd Zinet. On le voit au rouge, donc c'est Mustapha Pleu qui était dans la troupe de Mohamed Zinet et de Reda Bastanji. On rappelle que le pont commun entre Jamel Ben Sabr et Mustapha Pleu, c'est qu'ils ont fait l'école du patriotisme, qui est le scout musulman algérien. En 1953, il rejoint deux troupes, celle de El Missoum, donc en France, qui avait donc une salle dans la rue de la Hichette, dans le quartier latin, où ils ont donc travaillé, où ils ont aussi été aussi carrément une base arrière de la Révolution, puisqu'en France, déjà, le combat libérateur commençait à prendre forme et commençait à animer les esprits épris de liberté et de justice. Donc par la suite, il y a aussi cette troupe de Mustapha Sahnoun. Mustapha Sahnoun, rappelons-le, qui était l'auteur de le célèbre chant « Bladi et Bladi Mensek » qui a été chanté par le Hadir Djib. Et par la suite, en 1955, Mustapha Pleur fait partie de la délégation qui représente l'Algérie combattante dans le Festival mondial de la jeunesse sous la houlette de Mahiddine Bechtazi. En 1958, c'est là où l'un des héros de la bataille d'Alger, Ramel, lui fait appel, il l'intègre dans le mouvement révolutionnaire. Ça lui a coûté d'être incarcéré à la prison d'Al-Harraj et de Blida. Donc, voilà. Et donc, c'est ça son... Et puis, rappelons-le, c'était aussi un grand musicien, un percussionniste. Il a donc accompagné, on l'a vu donc dans la troupe de Mohamed Zinet. Il a été aussi sous la houlette de Mahmoud Aziz, qui est le frère de Abdelrahman Aziz. À son actif, plusieurs films, 140 films. 140, oui. 140 films, dont La Nuit à Peur du Soleil, Les Portes de Silence de Ammar Askri, Le Brocanteur, et puis il y a eu beaucoup de séries télévisées, des feuilletons, comme Shafiqa Badlika. Shafiqa Badlika, effectivement. Voilà. Ça nous a bien marqué, finalement, cette série. Absolument. Donc, en fait... Alors, il faut dire aussi que le point en commun aussi qu'il a avec Jamal Ben Sabr Al-Rahmo Saleh, c'est aussi le théâtre, parce que Mustapha Pleur aussi a fait quelques pièces théâtrales, mais aussi quelques pièces théâtrales radiophoniques cette fois-ci. Oui, c'était un grand nom du théâtre radiophonique, puisqu'il a fait quand même plus d'une centaine de pièces radiophoniques à la radio depuis, je pense que déjà avant l'indépendance et après l'indépendance. Donc c'était un pionnier du théâtre et du cinéma. Donc
On lui rend hommage aujourd'hui et on dit à tout Seigneur, tout honneur, les deux, donc Mustapha Preur et aussi Jamal Ben Sabar qui nous ont quittés cette semaine, l'Arhamoum Salihoum. Yazid, un autre point aussi que tu as choisi de nous en parler aujourd'hui, oui, juste pour la fin, au livre. Si tu permets. Oui, donc on peut le voir. Donc c'est mes amis de la montagne. Donc c'est un livre d'un Norvégien qui on sait que beaucoup de d'hommes et de femmes de l'Europe du Nord, de la Scandinavie, ont pris part au combat libérateur et puis ils ont même soutenu la révolution depuis les années 40, 50, etc. Oui. Et que les délégués du FLN au niveau de ces pays ont fait un travail titanesque pour essayer donc pour diffuser un peu l'idéal novembriste au sein de les populations acquises à cette révolution algérienne. Et parmi ces noms, il y a eu beaucoup de noms, Mustapha Müller, il y a beaucoup de noms qui ont été marqués par ce combat libérateur. Et on voit ici... Mustapha Müller, on rappelle qu'il a fait un grand travail par rapport à l'environnement, par rapport au parc national de Djurdjura. Oui, et je pense que les amis de la montagne, donc ce grand écrivain, donc... Je peux juste revoir le livre parce que c'est un nom pour ne pas l'écorcher. Egil Mein Hovdenak. En fait, il s'agit de lui qui est venu donc des années 50 en Algérie, plus précisément du côté d'Al-Qassab en Kabylie. Il raconte un peu sa rencontre avec les hommes et les femmes de cette région. Et en 63, il est revenu. Parce qu'en 63, tous ceux qui ont soutenu la révolution se sont formés pratiquement en lobby ou pour soutenir l'effort de reconstruction de l'Algérie indépendante. Et parmi ces gens-là, Egil Magne, qui est venu avec une association Quaker, c'est une association qui soutient un peu les pays en voie de développement, et il voulait, et sa philosophie, c'était pas de venir par pitié ou par solidarité, c'était venir pour être pratiquement d'une manière équitable et pour faire une coopération d'égal à égal pour soutenir les populations dans la région, cette fois-ci, d'Ouessif, la région d'Ouessif. Et c'est là où ils ont construit ensemble Château d'Eau, ils ont initié les jeunes au cinéma, ils ont initié les jeunes à la lecture, ils ont refait des routes, etc. Donc, c'est pour ça qu'il dit à mes amis de la montagne, dans les villages de Khouriez, dans les villages de Aïtidi Atman, dans les villages de Taqidont, dans le village de Athabès, dans la région d'Abdel Ali, etc. Pratiquement tout Zaknoun, etc. Ou Avdrahman, etc. Dans tous ces villages, il y a eu quand même ces rapports humains. Donc, il rappelle aussi ces rapports humains et cette disponibilité des gens à les accueillir, cette hospitalité et le fait de partager avec eux la galette et le lait caillé, donc, et l'huile d'olive aussi. Donc, il rappelle un peu tous ces moments et je pense que peut-être avec Djawdet Gessouma, il va revenir avec plus de détails sur ce livre qui a été préfacé par Tessa Diti Yassine et édité chez Deliman. Donc, en quelque sorte, voilà, il est disponible dans toutes les librairies, en fait. Il est édité chez les éditions d'Alima. Donc, voilà, en quelque sorte, un petit aperçu sur Un mes amis de la montagne de Egil Mein Hovdenak. Ah ben voilà, merci beaucoup Yazid. Voilà, et puis voilà, vous avez remarqué que j'ai un bon... Un très joli sac. Un très joli sac. Très, très joli sac. Il est fait par des artisans de Boussada. Vous pouvez les aider en essayant d'acheter. Les encourager, les aider. Les encourager. Il faut un travail titanesque. Vous voyez comment on est. Voilà. Un petit coup de pub pour notre artisanat local. Voilà.
Ah ben voilà, merci beaucoup. Merci. Yazid, donc on rappelle aujourd'hui, il a été question en ta compagnie de rendre hommage à deux grands hommes de culture, mais aussi de cinéma, de théâtre, Mustapha Preur et aussi Jamal Ben Sabah Rahmoum Sali. Merci beaucoup, merci. Yazid, et merci encore une fois pour la tisane. Merci. Mazal Shouya. Mazal Shouya. Mazal Shouya. Un tout petit peu, je dirais pas non. Akhlitina walou ça. Merci beaucoup. Voilà, Yazid. Merci. Yazid, on se retrouve à la prochaine. Dimanche prochain. So. On n'a pas noté que ma rubrique s'appelle So. So, see you next Sunday. Yeah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Yazid. Et on continue. Dans un petit moment, nous irons du côté de Biskra. C'était l'artisanat que tu nous avais présenté aujourd'hui. Boussaada, d'accord. Donc nous, on va aller du côté de Biskra. Exactement, c'est pas loin, en compagnie de Nabila Abada, la reine des Ibans. Nous la fera découvrir ce matin. Mais avant cela, ça va être une petite balade dans la ville d'Alger qu'on vous propose à travers ces images. On se retrouve juste après. Sur le plateau, et cette fois-ci nous allons aller du côté de Biskra, et c'est Nabila Abada qui nous emmène. Nabila, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Alhamdoulilah. Amé du jour, bonjour. Comment ça va, Nabila? Ça va très bien. Ça se passe bien. T'as le rien qui est allé. Hein? هاني طولت في الغربه ولا راكي هاني رجعت من الغربه هاني رجعت من الغربه الحمد لله on est ravi de te voir le plaisir est partagé même moi je suis toute ravie et aujourd'hui j'ai pas peur pour mes 50% ah bon t'es sûre tu me poses la question pourquoi pourquoi la Yazid oups pardon Zahra ah les 50% où je dis bdina من درك ولا Yazid m'a offert une tisane ce matin eh à base de zaatar à base d'origan, mais il m'a dit, parce que au fait, moi je mets pas de sucre dans la tisane, oui. Ni dans le café, ni dans le thé. Et lui aussi il met pas de sucre, mais j'ai senti une douceur et quand il est sorti, j'ai dit, écoute Yazid, il y a quelque chose dedans. Et alors? Alors normalement je le dis pas, parce que il a dit qu'il a mis du raisin sec.
Ah et bon? ça a donné un très 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 bon goût. Il en a encore, il peut t'en donner tout à l'heure. Ah, hakda ya zid, ana fli coulisses, comme il est trop libalak, et hadri mlih, ou tiens-toi droite, ou maintenant. J'étais. Oui, t'as de la. Eh, parce qu'on achète ça, on a. C'est pour ça. Eh ben c'est très bien, c'est une bonne astuce. Eh ben voilà, c'est une très très bonne astuce. Comme quoi, hein? Voilà. C'est du sucre. Ah, il mliha. Et puis, il nous a fait aussi la confidence que Zatar, c'est lui-même qui l'a accueilli. Bio. Bio. من عنده. Bio, naturel. Ça. Naturel, bio, sauvage en plus. Pas cultivé. Ah, carrément. Sauvage. Carrément. Donc, tu es immunisé pendant un certain moment. Ah ben, je l'espère. C'est pour ça que je te dis que j'ai pas peur pour mes 50% aujourd'hui. Enfin, j'espère. Non, je suis faux. Zatar, tu as Yazid, donc on va parler de la ville où on va aller. On va voir. Ouais, en plus, c'est une ville que j'adore. C'est vrai? Oui. Oui. Mais elle est incroyable cette ville, hein, elle est Biskra, incroyable, elle est incroyable. Pour nous, Biskra, c'est les dattes, c'est voilà, c'est les palmiers, c'est. Mais à chaque fois, à travers escapade, à chaque fois, je prends un petit bout d'escapade et je viens vous en parler. Et cette fois-ci, on va à la région de Djmina. D'accord. Alors Djmina, on en a fou Djmila. Djmila de Sétif. Voilà, de Sétif. Voilà, et là, donc là Djmina, où il y a les ruines romaines. Exactement. Et Djmina, alors Djmina, c'est un endroit mystérieux, magique, incroyable. Alors, c'est à une quarantaine de kilomètres de Biskra. Et là, ce qu'on retrouve là-bas, déjà, on est happé par son silence. Il y a un silence incroyable. C'est un canyon. À qui tu fais les images, elle triche. قلت لك لي 50% دوك نحي لك اي زعتر اي وقيلا زعتر واش راه يفيد ليهم c'est un espèce de canyon incroyable et c'est une falaise où il y a tout un village construit suspendu. C'est un village qui a été construit suspendu à plus de 60 mètres de hauteur. Donc, ça fait rappeler les jardins suspendus. Exactement, les sept merveilles du monde. Et ce fut l'abri de la reine Kehina. D'accord. Voilà, je ne sais pas si je vais vous dire. Je vais vous dire. Il y a rien de zaatar, ni raisin sec. Je vais vous dire. Il y a zaatar, les bébés, les walou. On va voir les images, Nabila ? Oui. Ok, c'est sûr que tu as les 50% de mal. Allez, on va voir les images et on se retrouve juste après. Oui, allez vers une autre étape. Là, on se dirige vers une autre destination avec toujours Monsieur Zikri. Et là, je suis surprise par un décor époustouflant à couper le souffle. Notre deuxième étape ici au niveau de la wilaya de Biskra et c'est le site touristique de Djmina. Djmila. Djmina avec un N. Avec un N. Voilà, donc c'est ce beau site archéologique. Comme vous le pouvez le constater, juste en face, c'est les troglodytes. Et c'était ici qu'on appelait la grotte de la Kaïna. D'accord. Qui venait ici aussi prendre ses positions défensives contre les occupants. Donc, et puis, ces troglodytes servaient surtout à, comme réserve donc, pour les temps difficiles et en particulier en hiver. Donc ce sont des endroits difficilement accessibles et puis avec tous les remparts. Et il y a aussi, là, juste en bas, ce sont des canyons et qui servaient aussi de zone de repli. Et donc ici, le site Djmina, ici, il y a des touristes qui viennent. Vous pouvez le voir, il y a aussi des associations qui ont pris en charge. Il y a la direction de la culture et du tourisme qui ont pris en charge ce site. Super. Et on organise aussi des sorties, des randonnées. Des randonnées. Et surtout le week-end. Et ce qu'il faudrait appeler, et là je profite justement de l'occasion, que vous soyez là en tant que média lourd pour demander aux gens de préserver ces sites. Parce qu'il y a
eu assez de massacres, il y a eu beaucoup de graffitis qui défigurent justement. Mais ça, ouais, mais ça, on ne cessera jamais de le dire, afin de préserver ce genre de site. C'est une richesse, un trésor. C'est un trésor. C'est inestimable. Je peux vous dire que vous ne trouverez nulle part ailleurs la beauté de ces sites. Comme quoi, ça fait aussi rappeler, Nabila, les balcons du Rofi, c'est un petit peu le même esprit. Oui, c'est pratiquement le même esprit, mais il faut dire que ce qui est assez surprenant, c'est qu'on n'imagine même pas qu'il y ait eu des gens qui ont habité là-bas. C'est carrément des grottes. Hein, des grottes. On appelle ça des maisons troglodytes. Mmh. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut savoir aussi, pour remonter en arrière, c'est la reine Kehina qui a été poursuivie par des envahisseurs et tout. Donc, elle est partie, elle est arrivée à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait demandé à son entourage, à son armée, de commencer à construire quelques habitations. Alors, on ne sait pas comment. C'est le même mystérieux qui mène les pyramides. Comme les pyramides, parce voilà. Parce que c'est incroyable, d'une soixantaine de mètres de hauteur, c'est un espèce de gratte-ciel ou un bâtiment, on va dire, de minimum 15 étages. Mm-hmm. Parce que là où j'étais, Anaya, au niveau, il était un peu plus haut. Mais pour y accéder, là, c'est en bas. Hein. Mm-hmm. C'est en bas. Et donc, quand on lève les yeux comme ça vers ce canyon, on a limite le vertige. C'est incroyable et c'est des couleurs fabuleuses et un silence incroyable. Et il y avait un fleuve tout autour. Donc, c'était vraiment l'endroit propice et idéal pour se réfugier. Et donc, alors, justement, Nabila, ce qui attire beaucoup plus dans ces habitations, les balcons du Rofi, par exemple, c'est accessible. On sait que c'est accessible. Oui. Donc, il y a même des circuits touristiques, on peut visiter. Oui. Mais là, on a l'impression qu'il n'y a aucun moyen d'y accéder. Non. Il y a déjà, normalement, il y a plusieurs accès. Mmh. On dit qu'il y a plusieurs accès, parce que ce qui est tout à fait normal pour un village. Mmh. On n'en a trouvé qu'un seul accès, à Deouhda. Deuxièmement, pour y accéder, bon courage. Il faut avoir un hélicoptère ou faire de l'escalade. Mmh. Il faut un matériel extraordinaire et très, très avancé, parce que c'est impossible. Peut-être pour escalader, et même pour escalader, on a peur aussi des glissements. Des glissements, parce que c'est assez... Quand même, avec le temps, la pierre est devenue un peu plus douce. C'est comme du marbre maintenant. C'est, franchement, le mystère reste vraiment apaisé. Et c'est un endroit que peu de gens connaissent. Hein, parce que là, on a l'habitude d'aller jusqu'à la ville. Je me suis dit, aujourd'hui, je n'ai pas peur pour les 50%. Il y a déjà Zaatar avec Zbim. Hein, Biskra, je croyais que je connaissais bien la ville, mais apparemment... Je sais pas grâce si on à Nabila Abada, franchement, on voit les endroits. C'est les images de Hichem Daou. Mm-hmm. Et là, on voit à travers... Là, c'est les habitations. Et en haut, on peut voir aussi des espaces de bassins, d'énormes bassins, pour récolter l'aube de pluie pour faire vivre ce village. Ils sont restés des années. Hein. Et les derniers habitants sont sortis vers les années 50. Hein.
Ah, c'est quand même tout récent. Oui, oui, c'est tout récent. Mais ça, Malabennage, on ne sait toujours pas comment ils faisaient pour y accéder. Mm-hmm. Je ne sais pas, c'est un truc hors du temps. Le temps là-bas, il est magique et on se dit, c'est pas possible, il n'y avait pas des êtres humains ici, c'est des créatures mm-hmm. extraterrestres. Parce que quand on voit et quand on est là-bas, on se dit, c'est pas possible qu'il y ait eu des gens qui ont vécu ici des années, mm-hmm. des années. Parce que, voilà, que la reine, qu'on nomme plus la reine Kehina... Non, aujourd'hui, on parle de siècles, on parle plus d'années. Exactement, non, c'est des siècles, exactement. C'était où, même pas, c'est... Elle est morte en 783, si je m'en buse, j'espère, les historiens vers 700, n'importe quoi. Je ne m'avance pas. Mais c'est vrai, c'est des millions de siècles, mais pour vous dire que Kerina, on ne la nomme plus, c'est la reine, c'était synonyme du courage, de liberté, elle était insoumise, et avec tout ça, elle avait toute une armée marin, et elle avait 3 enfants. Donc, oui. Si vous imaginez être maman et avoir toute une armée derrière. Donc, bon, à Douma, c'est les images. Après, on est parti avec le guide. Là, c'est un très, très, très ancien café qui fait du thé. Alors, du thé avec. Il est du quel côté ce café ? Hein ? Il est de quel côté ce café ? Ce café, pas loin de la mosquée Jamia Al-Munafa. Bon, parfait. Je suis très contente parce que c'est un café que je connais. Alors, Naya, avec le choix du thé, un des cafés, le thé gingembre, thé le cronfle, le clou de girofle. Oui. Et voilà. Je me rappelle de cette place. Je me suis même assise ici. J'avais même fait des interviews bien. Ici. Alors, c'est un café qui m'a marquée. Ah bon? Tu sais pourquoi? Oui, dis-moi. Parce que lorsque je suis rentrée, je ne sais pas si elle existe toujours, une photo en noir et blanc, une ancienne photo en noir et blanc, du premier propriétaire du café. Oui, je sais pas si elle existe toujours. C'est vrai, elle y est toujours. Voilà. Kaina. Elle m'avait interpellée et j'avais posé la question donc, au petit jeune qui nous a fait du très bon thé d'ailleurs, au gingembre. C'est ce que j'avais moi commandé au gingembre. Et il me l'avait offert, il ne m'a même pas laissé payer en plus. Voilà, la générosité, comme quoi, l'hospitalité, je fais aller très très bien, je fais surtout aller à l'histoire, parce que c'est un café, autant petit, il ne paye pas vraiment mine. Non, quand on voit de l'extérieur... Mais paraît-il que durant la révolution, le café a eu un impact très très important justement pour cacher les moudjahidines. Exactement, parce qu'on ne voit pas, on ne sait pas qui est derrière le petit jardin. Voilà. Et donc, ils fermaient la porte pour eux, c'était que le café et le mais il y avait la petite sortie, la petite cachette sortie. Pour cacher les révolutionnaires. Exactement. Vous avez caché les armes aussi, je rappelle. Et ça, c'est la mosquée. C'est la mosquée. Voilà. Un bijou architectural. Exactement. Et c'est aussi incroyable. Mmh. Voilà. C'est ça pour faire le tour. Mais moi, j'invite vraiment les gens à aller vers le site Jumina. Il y a l'association Jumina aussi qui organise des randonnées, des sorties avec des guides et tout. Et vraiment, c'est très, très intéressant. Et ça peut aussi nous interpeller sur ce qui s'est passé il y a quelques siècles. Mm-hmm. Moi, ce que j'ai aimé dans tout ça, c'est une femme. Une femme, elle est restée. Elle a eu l'ingéniosité, justement, de penser, de réfléchir et surtout de prendre l'aventure d'aller se réfugier comme ça à une soixantaine de mètres. Exactement. À chaque fois que les envahisseurs arrivaient, ils ne trouvaient pas, ils ne comprenaient pas d'où ils pouvaient monter au Agda. Je ne sais pas. Alors, peut-être qu'il y avait des échelles. C'est très probable. Mais c'est incroyable. Moi, c'est l'histoire de cette femme qui est... Moi, je suis fière quand je vois que c'est une femme et une maman. Mm-hmm. Incroyable. Une femme, une maman, une reine. Et tout ça par rapport à la revanche de son père, Tabat. Il a été assassiné avec Kousseïla. Et donc, elle a pris l'armée de Taha et elle a fait peur à ses adversaires pendant un certain moment. Effectivement. Et Kehina, le prénom Kehina qui veut dire prêtresse, on trouve encore aussi des jeunes filles aujourd'hui qui portent ce prénom avec fierté. Beaucoup, j'espère qu'elles savent très très bien ce que vaut ce prénom.
D'accord, ils ont compris à la régie que tu es très fière, mais tu disais à la table, il faut dire, on rappelle juste que Kahina, de son vrai nom, c'est Dahiya. Dahiya, exactement. Dahiya. Dahiya, c'est en berbère et en arabe, Kahina. El Kahina. Voilà, il a confirmé Yazid. Ça, Yazid, je ne sais pas, il n'a rien dit, Yazid. Pour l'instant, il n'a rien dit, mais c'est ça. Mais ça ne peut être que ça. Oui, c'est Dahiya, voilà. Exactement. Dahiya, effectivement. Donc, ça reste quand même, le site de Jmina reste un site mystérieux jusqu'à présent. Donc, j'imagine qu'il y a encore des archéologues qui sont en train de faire, de mener des recherches. Bah, ils ont du travail. Pour élucider un petit peu tous les secrets de ce village suspendu. Suspendu. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il nous fait rappeler encore une fois les balcons du Rofi, mais il reste que les balcons du Rofi sont quand même accessibles. On connaît l'histoire. Le mystère a été percé et tout. C'est un peu plus... Mais là, ça reste... ça me fait rappeler aussi à une reine aussi à la wilaya de l'Obiod, j'ai oublié le nom, une reine aussi qui est restée aussi en haut d'une falaise et quand les envahisseurs arrivaient, elle va pas rester longtemps parce qu'elle n'a pas de denrées, elle n'a pas d'eau et qu'est-ce qu'elle a fait, elle avait demandé à ses serviteurs, il faut ramener de l'eau et laver le linge, sultana, princesse, il n'y a pas d'eau, même pour boire il n'y a pas d'eau, faites ce que je vous dis, donc ils ont lavé un peu le linge. Ils ont étendu le linge, donc les adversaires qui chaque fois elle a sûrement elle a de l'eau déjà pour laver le linge, c'est que vraiment elle a encore pour rester quelques années, c'est comme ça, c'est une ruse. Bint al-Khass, Bint al-Khass, effectivement, exactement. C'est une ruse, c'était une stratégie et c'était, effectivement. C'était c'est les femmes, khouya, واش نقول لك هذه مانيش نضرب فوق الطابله, ماني نقول لك هذه indiscutable. Ah, c'est indiscutable. Indiscutable. Non, mais c'est bien de rappeler comme ça, c'était des mères aussi, hein. Et donc ça ne voulait rien dire. Ça, c'était à côté. Elles enfantaient et en même temps, elles étaient là contre la. Elles le sont toujours, Nabila. Bien sûr. Et comment? Oh, qui fait? Non, mais c'est bien aussi de rappeler que ça a été la femme algérienne, la femme berbère, Amazigh, elle a toujours été là, et l'histoire parle d'elle-même. C'est à nous aussi de transmettre de ça et de parler de ça à nos filles, surtout. Effectivement, à nos filles, à nos garçons aussi. Oui, surtout. À nos garçons aussi. Pour qu'ils connaissent aussi la valeur de la femme. Voilà, effectivement. Merci beaucoup, Nabila, encore une fois, pour ce beau voyage, pour cette découverte mystérieuse. Mmh. Encore une fois, parce qu'il faut dire que ça reste un mystère, n'est-ce pas? Exact, pas encore élucidé. Que j'allais te dire? Escapade. Demain, à chauffer. Demain. Il va y avoir un Tamnalast. Parce qu'il faut dire que Tamnalast, on est parti pour, on dit dans le milieu professionnel, 2,26. Donc ça fait 1,52. Mais on a tellement eu tellement d'images, tellement d'expériences et on a vécu tellement de belles choses, on a eu 4,26. Du coup, Tamnalast, il y a eu... spécial. Alors, même avec 86, je suis plus que certaine que vous n'avez pas encore fait le tour. Non. Je suis demain à 19h25. Après le journal de 19h, normalement, si tout va bien. Escapade spéciale Tamnalast, Tinaka Chakal, Lahgar, le bivouac. Bon, tu me gardes tout ça? Tu me gardes tout ça, je reviens à toi dans un tout petit moment. Oui, non, Raïha. Au fait, lorsque tu pars en escapade, parce que c'est ce que tu fais, lorsque tu pars en escapade, bien entendu, ce qui est merveilleux, ce qui est magique, il n'est pas mystérieux, mais ce qui reste quand même magique dans les villes de l'intérieur du pays, c'est un petit peu cet attachement à la terre, à la terre sans précédent. Oui. Et donc les femmes, si tu as remarqué, donc aujourd'hui on parle de femmes, les femmes, si tu as remarqué, donc elles sont très belles, n'est-ce pas? Naturelles, très belles, et c'est parce que justement elles ont un rapport très particulier avec la nature, même sur le plan cosmétologique. Oui, exactement. Même sur le plan cosmétologique. Surtout. Alors, pourquoi j'en parle? Et bien parce que Mariam Oussaïd s'est intéressée à un cosmétologue au naturel. Mariam Oussaïd qui nous fait justement un portrait de Hind Masbah, elle qui est cosmétologue
au naturel parce que c'est tendance en ce moment. On a compris l'importance de la nature, du retour à la nature. Donc je vous propose ce portrait que Maryam Oussaïd adressait à Hind Misbah et on se retrouve juste après. Alors, même ça, je l'utilise. Je l'appelle l'orange, je l'utilise. Les feuilles d'orange aussi, je les utilise pour mes macérats. Il y a des crèmes, des savons. Après un parcours professionnel riche et diversifié, Hind Misbah a succombé ces dernières années à la magie de la cosmétologie naturelle. Et c'est dans son jardin qu'a démarré toute l'aventure. J'étais auparavant psychologue de formation et professeur à l'Institut de psychologie à Bouzeria pendant 5 années, et puis 5 années d'enseignement aussi dans un autre centre. J'ai quand même un petit peu un parcours un peu varié. Dès mon enfance, j'aimais tout ce qui est plantes, tout ce qui est beauté, tout ce qui est traitement naturel. Et ça, je l'ai hérité du père, la Yerahmou, qui se faisait traiter par des produits naturels. Ça, je le dis toujours, Allah yirahmou yusaleh, c'est grâce à lui que j'ai hérité ce grand héritage. Pour moi, c'est un grand héritage. C'est mieux que l'or, mieux que l'argent, mieux que tout. J'ai hérité de lui un savoir-faire et un amour envers la nature que Dieu nous a créée. Tout traitement, toute beauté, tout charme, tout gain, toute vertu, c'est dans la nature. Pourquoi chercher ailleurs? Donc, j'ai commencé par faire des petites formations. J'avais des amis au Canada aussi qui ont fait quelques formations, qui m'ont donné quelques astuces. Puis, c'est comme de l'Internet. C'est, on nage, et c'est l'infini. Une fois la cueillette terminée, la fabrication peut commencer. Un moment qu'apprécie particulièrement Hind. Je vais vous donner la base du sérum de l'acide hyaluronique. Donc j'utilise l'hydrolat de rose. On a aussi la glycérine qui est bonne aussi pour la peau. On a le fameux produit miracle. Bon là j'ai acheté de grandes quantités parce que je l'utilise. Ça c'est de l'acide hyaluronique. Il est en poudre. On le réduit en gel, en sérum, qu'on applique matin et soir sur la peau. On a aussi le conservateur Cosgar. C'est un conservateur qui est moins nocif que les autres conservateurs. On est obligé d'utiliser le conservateur pour que ça tienne. Sinon, bien sûr, il y aura la moisissure au bout de 15 jours. Là, je vais préparer une toute petite quantité. Dans les 99 grammes, ça fait 44 grammes et quelques. Bismillah. Voilà, on a pesé l'hydrolat de rose. Maintenant, on va peser notre acide hyaluronique. Voilà, c'est 1 gramme. On a besoin juste de 1 gramme pour les 45 grammes d'hydrolat de rose. Bien sûr, on doit le mettre doucement. Et on pèse aussi 1 gramme. Vous voyez, c'est vraiment petit. On remue, bien sûr. Vous voyez, ça commence déjà à devenir gélatineux. C'est la formule basique de l'acide hyaluronique. On ferme notre acide hyaluronique. Voilà, là, j'ai préparé la dernière fois une petite quantité. Voilà l'aspect final de l'acide hyaluronique. Regardez, il est... Je préfère enlever mon gant et je l'étale sur ma peau. Ils sont très bons. Ils gardent l'eau qu'il y a sur la peau et ils attirent l'eau justement. Ils laissent la peau hydratée. C'est un très très bon traitement pour les petites ridules, certaines rides. Ils gardent la jeunesse de la peau. C'est le secret miracle de la jeunesse de la peau. C'est de l'acide hyaluronique. Il faut prendre soin de sa peau avec la bonne nutrition
Et bien sûr, on utilise des savons naturels. On utilise l'acide hyaluronique à partir de 25 ans, c'est conseillé. On ne laisse pas apparaître les rides. On combat, c'est l'éternel combat. On combat à partir de 25 ans, on commence à prendre soin de sa peau avec la bonne nutrition, avec les activités sportives et avec les produits « je préfère naturels ». Savon, shampoing, crème, lotion, une belle gamme de produits et traitements naturels préparés habilement et dans le souci permanent de faire bénéficier au plus grand nombre de la grande richesse que nous offre la nature à travers toute sa diversité. Voilà, c'est donc un portrait de Hind Mesbah et c'est Maryam Ousaïd qui l'a rencontré pour nous, un véritable retour à la nature. Hein. Incroyable, mais incroyable, j'aime bien comment la reconversion vers, faisait la psychologie, c'est pas très loin aussi, hein. Elle était psychologue et maintenant, retour vers la nature, je pense que c'est ça, hein, c'est les racines. C'est les racines qui parlent. Voilà, donc finalement on a beau à s'éloigner, mais on revient toujours aux sources, c'est ce que tu as fait aussi? Transition vers le naturel. Ah oui, j'ai fait la transition. Mmh. Ça fait quelques temps. J'ai commencé avec le shampoing, avec l'après-shampoing, avec le savon, quelques crèmes. Et donc, c'est naturel. C'est le quotidien. C'est normal. Exactement. Franchement, j'ai basculé parce que c'est vrai que c'est peut-être une tendance, mais j'ai toujours été attirée par tout ça, par... Mais c'est vraiment très agréable et on voit la différence. Instantané. On voit la différence. Le résultat est instantané. Incroyable. Effectivement, il faut dire, Nabila, aujourd'hui, que ça s'est quand même démocratisé un petit peu la cosmétologie naturelle. Oui, hein. Donc, c'est ça. Beaucoup de jeunes se sont reconvertis déjà au naturel. Et tu en sais quelque chose. J'en sais quelque chose, oui, effectivement, parce que moi aussi, j'ai fait ma transition, moi aussi, j'ai fait ma conversion, effectivement. Donc, aujourd'hui, il faut dire qu'il y a un choix quand même au niveau des expositions. C'est ça. On arrive quand même avoir ce choix. On trouve plein d'artisans dans ce sens et on nous explique qu'il faut, on leur fait confiance et de toutes les manières, comme tu viens de le dire, c'est instantané. On voit les choses changer par rapport à nos cheveux, la peau. C'est vraiment quelque chose, même dans notre quotidien culinaire. C'est vraiment, et tant mieux, parce qu'on s'est vraiment, mais vraiment, vraiment éloigné de tout ce qui est naturel, tout ce qui est vrai. Voilà, c'est vrai que nous avons été emportés par la société de consommation aujourd'hui. Retour aux sources. Alors, nous étions du côté de Biskra en ta compagnie il y a quelques instants. On y reste. Ah bon? N'est-ce pas? On y reste. Et comment? Parce que, écoute, Nabila Abada, là, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, d'accord? Ils se disent quand on parle, oui, je peux en témoigner. Et lorsqu'on parle de Biskra, il y a quand même une légende, d'accord? On ne peut pas passer à côté. Lorsqu'on parle de Biskra, on ne peut pas ne pas penser, ne pas être envahi par cette magnifique histoire d'amour, qui reste quand même parfois on dit que c'est une légende, hein, donc on ne sait pas toujours si ça a existé ou pas, cette histoire de Hezia est une histoire vraiment qui a inspiré écrivains, poètes et puis la poésie, donc chanteurs aussi. La poésie. Voilà. Non, elle a existé. Elle a existé parce que, Hezia et Saïd. Exactement, je suis partie et j'ai pu aller me recueillir sur sa tombe. Sur sa tombe. Donc, elle a existé. Djetné Kima, l'histoire de Dacine. C'était la même chose. Moi aussi, je pensais que c'était une légende. Je pensais que vraiment, c'était juste une belle histoire comme ça qu'on comptait par rapport à la région. Kima, Isha, Kandisha. Donc, Madame Hewousala, Isha, Kandisha, si elle a existé aussi. Mais... Hezia, si, j'ai eu la chance d'aller me recueillir et de trouver, trouver quelqu'un qui a pu me parler de l'histoire extraordinaire, de l'histoire d'amour de Hezia. De Hezia et de Saïd, d'ailleurs, l'un de nos collègues, il était parmi nous aujourd'hui, il est dans un autre studio. Et alors, on va écouter un petit extrait. C'était d'ailleurs le neveu de Saïd. Ah, et oui. Super. Et oui, allez, on va écouter un petit extrait. Génial.
Et voilà, de retour, c'était donc un extrait d'Abdelrahman Abebsa, la Rahmoun Saleh, qui a interprété cette magnifique de Hizia. Oui. Je vous dis, enfin, au passage, j'avais cité ce passage Escapade. Hizia. Non, mais c'est une histoire incroyable. En fait, c'était Hizia. D'après ce qu'on nous a raconté là-bas, elle faisait partie d'une famille nomade. Donc elle se déplaçait très souvent. Et donc, Chefha, son chéri, et là, il n'a pas pu. Eh oui, je suis en colo, donc son chéri, il est hébralé, j'ai ma bouba. Oui, je suis en colo, c'est mon classe. Il l'a tellement aimé qu'on en parle encore des années et des années. Donc il la chérissait. Et voilà, c'était aussi une histoire assez incroyable, assez difficile. Tragique aussi. Tragique. Ça nous fait rappeler encore une fois Roméo et Juliette. Ces grandes histoires d'amour qui ne se terminent pas vraiment par une. Oui, exactement. Comme Dacine et Moussa. Je sais, je vous saoule avec Dacine, mais c'est vrai en plus. Non, du tout. Ça nous fait de la culture générale, encore une fois. Dacine et Moussa Egg aussi. Ils se sont tellement aimés et ils n'ont pas pu être ensemble. Voilà. C'est des histoires qui ont traversé le temps. Mais je pense que vivre cet amour-là, vivre ces instants-là, vaut tout le bonheur du monde. Voilà. Même s'ils n'ont pas été ensemble, peut-être que quelqu'un nous kiffe, faudrait le mettre faire mouche. Voilà. Et non, mais parce que ça reste tellement inaccessible. Vous savez, tout ce qui est inaccessible, tout ce qu'on n'arrive pas à avoir, c'est beau et ça reste désireux. Voilà. Nabila Abada, la philosophe. Eh wallah, Yassidé. Nabila Abada, la philosophe. Oui, ça, il pourrait y avoir une part de vérité. Mais rappelle-toi, Nabila Abada, lorsque nous étions petits, tous les contes de fées qu'on nous racontait, c'était toujours. Se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et vivèrent heureux. N'est-ce pas? Mais juste sur le cheval blanc. Mais juste sur le cheval blanc, c'est lui. Mais déjà autrement. Déjà autrement. Je l'embrasse. Alhamdoulilah. Et que ça a donné aussi naissance à Dassi. À Dassi, à Mustapha, exactement. Non, je m'en plains pas. À qui j'ai eu droit à mon prince. Voilà. À qui on souhaite une très heureuse vie. À Dassi et à Mustapha. Merci. Nabila, merci beaucoup pour ce beau. Voyage, encore merci. Une fois, pour ce moment agréable, toujours passé en ta compagnie. Merci, ça m'a fait plaisir. Le plaisir est partagé de te revoir. Donc, on se retrouve demain pour Escapade à partir de 19h30. Exactement. Cette fois-ci, tu nous amènes du côté de Tamanrasset. Et Tina Kachakel, le bivouac. Tu nous feras vivre un petit peu le plus beau coucher de soleil. Ah oui. Et comment? Non. Pour coucher du soleil, enfin, on va parler avec le guide, il va nous parler de choses et d'autres, il va nous remettre les choses à leur place. On t'attendra demain, Inch'Allah, à partir de 19h30 sur Canal Algérie. Sinon, dimanche prochain, on se verra, Inch'Allah. Oui, sur ce plateau. Si tu veux. Kounihna. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais je veux mon za'atar, Yazid. I need my za'atar. Si j'aurai za'atar, je viens. Merci beaucoup, Nabila. Allez, bonne semaine. Bye. Allez, bonne semaine à toi, Ada. C'est un bye du cœur. Hein. Donc, on va se retrouver dimanche prochain, sinon demain, à la partage. Inch'Allah. Pour Escapade. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Je vous retrouve avec un très grand plaisir dès demain à partir.